OK, c'est-tu mieux avec une casquette ou sans casquette? Toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui est important de faire si vous encouragez les itinéraires, ceux qui vendent l'itinéraire, je vais commencer en passant. Non, je ne vais pas continuer, je vais commencer. Pas facile, c'est pas facile d'être itinéraire. Je vais tout faire. OK. Je vais commencer. Hein? Ben, c'est parce que j'avais l'intention de me redresser éventuellement. J'avais le goût d'être relax au début, puis de me redresser par la suite. Parce que quand tu veux faire un point, tu te mets comme ça. Tu te mets comme ça, puis quand tu veux faire un point, tu te rapproches. Mais ça te dérange-tu, je recommence là? Rebonjour, mon nom est Marc. Normalement, je suis une personne enthousiaste, une personne dynamique. Je suis une personne qui n'a pas eu la malchance d'être itinérant, mais je côtoie aujourd'hui des itinérants. Qu'est-ce qui est arrivé, moi, c'est que j'ai occupé des emplois dans des bonnes compagnies. J'ai été représentant des ventes. J'ai eu beaucoup de succès. Par contre, lorsque la drogue est entrée dans ma vie, j'ai connu la déchéance et je me suis retrouvé avec moins d'énergie après un burn-out pour faire un emploi de représentant des ventes. Donc, j'ai pris quelques années à me remonter et je suis maintenant à l'itinéraire. Je fais partie de l'équipe de Camelo. Et j'ai accepté maintenant la simplicité volontaire. Fini les gros budgets, fini l'argent, je veux aider. Et quand on sait qu'on a 24 000 $ par année, okay, on peut encourager les gaz à effet de serre, pas les encourager, mais s'occuper des gaz à effet de serre. On peut s'occuper des thons rouges, on peut s'occuper des ours blancs, on peut s'occuper de la disparition des baleines bleues. Mais l'itinérance, c'est un problème qui est montréalais, c'est un problème qui est québécois, qu'on vit à tous les jours. Et moi, si vous vous abonnez via mon numéro de Camelo, je vous promets que je vais remettre du temps à l'itinéraire en tant que formateur pour les ventes. Tout ce que je vais pouvoir redonner à cette organisation qui m'a aidé, je vais le faire. C'est une promesse et pas une promesse de politicien parce qu'il y a du monde ici, du beau monde qui s'en ont sorti, puis je veux les aider, dans le futur, à les aider. Aidez-moi à me créer un emploi bénévole. Merci.